ceci. Grâce à Jésus. Jamais vu. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la terre déburnée a été témoin d'une pluie de miracles et de démonstrations d'esprit et de force organisées par la Mission Mondiale Evangelico, avec à sa tête le grand missionnaire, l'un des patriarches de l'Afrique, le documentaliste et formateur Joker Rocher, secondé par le prophète Hippothée Wilfried, avec l'ensemble de tous les disciples de la Mission Mondiale Evangelico. Bien-aimés, voici un aperçu de cette messe, cette célébration de démonstrations de puissance et de pluie de miracles, où des milliers et des milliers de personnes se sont rassemblées pour recevoir de l'unique Seigneur et Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Le groupe musical de la Mission Mondiale Evangelico, Evangelico Star, a introduit avec ce moment qui marque l'histoire du monde chrétien pour égayer le peuple de Dieu, la disposer avec un cœur fertile et recevoir du Seigneur. On se lève pour passer. Ne pas vous y opposer avec des chants.
juste après leur merveilleuse prestation, le secrétaire général de la mission mondiale évangélico, le prophète Herman Damanti, a pris le micro pour débiter quelques paroles de sagesse. Mais surtout, a introduit le deuxième de la mission mondiale évangélico, le prophète Saint-Espritique, le disciple homme, formé, équipé, entraîné par le grand missionnaire Joker Rocher, j'ai nommé le prophète Hippoté qui est venu, rempli de la charge maximale de l'Esprit de Dieu, pour des démonstrations hors contexte. Non, non, des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Bien-aimé, vous êtes sur le point de voir des miracles, des guérisons, des prophéties, et une puissante démonstration du miraculeux, à telle enseigne qu'on penserait être en Inde, aux États-Unis, au Nigeria. Mais non, nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire, à l'espace Figaïo. Bien-aimé, je n'en dirai pas plus. Regardez. Je vais appeler le missionnaire évangéliste prophète Herman. Il va conduire le reste du programme. Merci prophète. Sans plus tarder, nous allons ensemble recevoir l'homme de Dieu. Quelqu'un dit amène trois fois une grâce particulière te localise ce soir. Quelqu'un dit amène sept fois un miracle se produit dans ta vie. Sans plus tarder. Je voudrais ensemble qu'on accueille le disciple du grand missionnaire, l'homme de Dieu, choisi, le canal béni par lequel le Seigneur va faire du bien à ton âme, à ton esprit, à ton corps. J'appelle ici le prophète Hippoté. Le prophète Hippoté acclame le Seigneur, acclame Jésus, qui va utiliser son serviteur encore ce soir, qui va faire du bien au travers de lui, au travers des disciples du grand missionnaire. Dis à ton voisin, ça va chauffer ce soir. Dis à ton voisin, Jésus est au rendez-vous. Dis à ton voisin, Jésus est là pour toi. Il est venu spécialement pour ton cas. Il est venu spécialement pour ta destinée. Il est venu spécialement pour ton changement. Parle à ton voisin, il est venu spécialement pour ta guérison. Dis à ton voisin, Jésus est là pour toi. Ton heure de gloire a sonné. Ton heure de bénédiction a sonné. Ton heure de restauration a sonné. Ton heure d'élévation a sonné. Dis à ton voisin, il est là. Il est là. Il est là. Gloire à Jésus. Sois disponible. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Honneur au grand missionnaire Joker Rocher, président fondateur de Mission Mondiale Évangélico, docteur de l'Évangile, guerrier triomphateur, guerrier, il est né guerrier, guerrier, fils de guerrier. Homme de valeur, homme polyvalent, homme humble. Ce grand homme de Dieu qui organise ce programme et qui s'efface afin que Jésus-Christ puisse régner. Vous pouvez le constater, il n'est pas venu parce qu'il veut que Jésus puisse venir ce soir pour que les miracles soient explosifs. Bien-aimés enfants de Dieu, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à ce programme spécial Jésus fait des miracles. Amen. Ce programme est un programme spécial
Pourquoi spécial? Parce qu'en réalité, Jésus ne va pas décharger, libérer 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 1000 personnes, mais le Seigneur va libérer toutes les personnes ici présentes. Amen, amen, amen. Jésus va restaurer tous ses enfants ici présents. Amen. Celui qui me dit amen reçoit une part, reçoit amen. Une grâce, reçoit une bénédiction. La mission mondiale évangélico, mission confiée au grand missionnaire Joker Rocher. Depuis 40 ans, ce grand homme de Dieu a bataillé pour accomplir la tâche que Dieu lui a confiée. Amen. Tenir tête au diable, prendre la connaissance et véhiculer cette connaissance afin d'aider les enfants de Dieu à avancer spirituellement. Amen. Ce grand homme de Dieu travaille et le travail qu'il a accompli aujourd'hui, le résultat ne fera que sortir au fur et à mesure. La mission mondiale évangélico est choisie de Dieu pour imposer le pentecôtisme vrai, amen. Le christianisme pur. Amen. On n'a pas besoin d'huile d'onction pour pouvoir guérir quelqu'un. Amen. On n'a pas besoin d'eau bénite pour guérir quelqu'un. Amen. Jésus nous a donné son nom pour que les malades soient guéris. J'ai dit amen. Quand Jésus a laissé sa dernière recommandation, il n'a pas dit allez, oignez les enfants de Dieu, mais il dit allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a ajouté pour dire voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en amen. Mon nom. Bien-aimés enfants de Dieu, ce soir, j'ai la ferme conviction que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des grands prophètes d'Israël, le Dieu des petits prophètes, maître de l'univers, le Dieu créateur, manifeste Jésus, manifesté dans le Saint-Esprit, ce soir, te donnera d'expérimenter sa gloire. Après sa prédication, des milliers et milliers de personnes venues assoiffées pour rencontrer Jésus-Christ, communier avec leur Dieu, et aussi pour être guéris des diverses maladies. Des maladies pour la plupart du temps incurables ont été servies. Voici un aperçu de la démonstration de la puissance de Dieu révélée, démontrée et manifestée les 5 et les 6 février 2021 dernier. On attend très fort le Saint-Esprit. Papa dit, je suis guéri, c'est fini. Tu es guéri, non? Tu es guéri, ça va? Papa, clame le Seigneur. Tout boule dans ton ventre disparaît. Tout dans ta tête disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était malédiction dans ta vie, tout ce qui était blocage, problème, quelconque dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir de Jésus, le règne puissant de Jésus, le règne de... Nous avons un papa ici, qui avait les pieds qui étaient tellement liés, il n'arrivait pas à marcher, il n'arrivait pas à bouger, mais le voici, voilà qui arrive à bouger, papa, voici, voici. Bon, nous sommes coincés là. Voilà, nous sommes un peu... Voilà, le papa, allons-y, voilà. Ok, voilà, c'est juste très fort le Saint-Esprit. Voilà. Même, ça fait le geste. Voilà, il commence à sortir même. Voilà, ça alléluia. Il n'arrive pas à marcher. Alléluia. Il n'arrive pas à marcher. Regardez ce qui se passe. Le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Pouvoir de Jésus. Viens. C'est fini. Viens. N'aie pas peur. Viens. Au nom de Jésus, viens. Au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. On reçoit la guérison. Chaise. Elle est libérée. Acclame très fort Jésus. Mon enfant, faut la suivre aussi. Laisse-toi. Mon mari, viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus.
tout le monde, on va répondre. Et quand il y a un très fort. Seigneur, merci déjà. Merci pour ton action. Par ta puissance et ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. La voix ne chante pas. Maintenant, tu fais sortir la voix. Saint-Esprit. Merci pour ton action. Voici une maman qui n'arrivait pas à marcher depuis 4 ans. Oui. Et voici ça avec qui elle est libérée au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Marche, maman. Elle est libérée au nom de Jésus. Elle est libérée au nom de Jésus. Le Seigneur continue encore de faire des miracles. Oui. Voici cette maman depuis 10 ans qui n'arrive pas à se tenir levée, ni marcher sans sa béquille, mais après la prière, elle est libérée, elle marche sans sa béquille. Maman, lève ta béquille. Maman, lève ta béquille, tiens, j'ai la béquille. Papa là-bas qui a levé la béquille. Oui, le papa, venez-vous, papa. Papa, venez me donner votre béquille là. Voici, il est libéré. Le Seigneur est en train d'opérer beaucoup de miracles. Jésus. Croyez en vos miracles. Jésus est là. Ce soir, Jésus. La grâce de Dieu va descendre abondamment. Le miracle de Jésus-Christ descend sur vous. Quel que soit le nom de la maladie. Grâce. Acclame plus fort. On se tient debout dans l'acclamation. Dieu. Missionnaire Némi, prenez-le. Oui. Alléluia. Amen. Depuis 2012, ce papa n'arrivait pas à marcher sans sa béquille. Mais voici. Regardez les médecins. Petit papa, allez-y. Allez-y, regardez. Alléluia. Jésus. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Ça fait 3 ans, notre tonton ne peut pas marcher sans son poids. Aujourd'hui, après la prière, il se sent libéré, soulagé. Tonton, est-ce qu'on peut de l'acclamation au Dieu d'Abraham, au Dieu des gens qui ont reçu? Allez, ici. Mettez la caméra ici. Vite, on va avancer. Ici, nous avons un papa qui a fait un accident de circulation. Depuis 10 ans, il n'arrivait pas à se redresser. Le voici par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, le voici. Alléluia, papa, pas Laisse ton sac. Jésus. Voici cette maman, depuis 2 ans, qui ne pouvait pas se tenir levée, ni marcher sans sa béquille. Mais après la prière, elle a été restaurée. Maman, allez-y, courez. Allez-y, regardez les merveilles du Saint-Esprit. On acclame puissamment le Seigneur Jésus. Voilà, Jésus. Voici le Seigneur. Ferme l'oreille qui entend. Comment tu t'appelles? Amon Adou. Tu es sûr que tu m'entends? Oui. Si tu m'entends, dis Amen, Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Amen. Amen. Jésus. Jésus. Il est fort. Fort. Acclame le Seigneur. Hey! Maman, acclame le Seigneur. Je n'attendais pas. Depuis 3 mois, j'ai dit l'oreille gauche. Oui. Maintenant, j'entends bien. Maman, fais l'oreille qui entend. Et puis. C'est l'oreille droite qui attendait. Bon, d'accord, ferme l'oreille droite. Maman, oui. Comment vous appelez? Je m'appelle Martin. Dis Jésus. Jésus. Tu m'entends bien maintenant? J'entends bien. Très bien. Tu entends très bien? J'entends très bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Attends, cours de ta place, viens devant. Oui, papa, qu'est-ce que vous aviez? Je cours. Vous entendez? Oui. C'était quoi avant? Oui, ça, je n'entendais pas. Ça fait 19 ans. Hein? Oui, c'est vrai. 19 ans? Oui. Et maintenant, vous entendez? J'entends. Wow! Je pensais que tu allais te lever et acclamer le Seigneur Jésus. Jésus, il n'entendait pas depuis 19 ans. Papa, comment vous appelez? Papa. Oui. Faut dire oui. Oui. Jésus. Jésus. Amen.
Amen. Gloire. Gloire. Dieu de Joga Rocher. Dieu de Joga Rocher. Acclame très fort le Seigneur. Depuis 19 ans, je pensais que tu allais dire même plus fort que ça. Amen. Passez à côté, s'il vous plaît. Oui, à côté, oui. Parfois, souvent, je suis là, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Compact, tu n'entends pas. Bon, est-ce que tu entends maintenant? Oui. Tu entends? Oui. J'ai dit. Lève-toi. Saute par l'autre saute. Chassez-le. Bon, elle a déjà sauté. Elle a déjà reçu en même temps. Il y a H dedans, tout ça. Hey! Maman, tu avais quoi? Moi, depuis dans le mois de juillet, il y a un esprit qui a tapé mon oreille droite. Je n'entendais pas. Tu n'entendais pas? Et maintenant, c'est comment? J'entends maintenant. Dieu! Yeah! Est-ce que vous entendez ce qui se passe? Maman, tu entends maintenant? Oui, oui. Bon. Maman? Oui. Dis Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est puissant. Il est puissant. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Je suis libéré. Je suis libéré. Quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Amen. Oui, toi et toi. Oui. Moi, c'est depuis l'enfance. J'ai eu des problèmes d'oreille. Donc, j'ai du mal à entendre. Tu as du mal à entendre? Oui, j'ai des problèmes. Mais maintenant, c'est comment? J'entends normalement au nom de Jésus. Tu m'entends? Je t'entends bien. Très bien. Ah, c'est comme ça au témoin. Très bien. Faut bénir Jésus. Jésus. Est-ce qu'avant tu pouvais entendre comme ça? Est-ce que tu pouvais entendre comme ça avant? Non, je ne pouvais pas entendre comme ça avant. Donc tu entends maintenant? Oui. Bon, si tu m'entends, faut dire yeah. Yeah. Jesus is God. Jesus is God. Oui? C'est mon oreille gauche là. Droite là qui attend. Gauche là n'attendait pas. Là, qui n'attendait pas, ça n'a pas attendu. Donc, il a touché ça là. Et puis, quand on parlait là, il n'y a pas. Wow! Maman, faut bloquer pied droite là. Quand même, faut mettre ton oreille, faut bloquer. Bloque même. Maman! Maman! Oui! Tu entends? Très bien. Très bien! Mmh. Quelqu'un n'a pas dit amen, je pense que lève-toi, lève-toi, lève-toi! C'est au village j'ai reçu ce coup là. Depuis combien de temps? Ça fait 25 ans. Il est. Donc vous n'entendez pas? J'entends ici, j'entends pas du tout. Vous n'entendez pas du tout? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? J'entends. Vous entendez? J'entends. Maintenant vous entendez? Oui. C'est tout à guéri, maman. Ça va? Oui, j'entends. Tu m'entends? Oui. J'entends. Bon, bloque l'oreille qui entend là. Ferme l'oreille qui entend là. Faut fermer l'oreille qui entend. C'est ici, j'entends. Maintenant, faut fermer l'oreille qui entend là, faut bloquer ça. Bon, voilà, Jean-Claude ferme. Maman! Maman! Oui. Faut dire Jésus. Jésus. Jésus guérit. Jésus guérit. Hey! Hey! Depuis 25 ans. J'avais l'oreille gauche qui n'attendait pas. Depuis juillet 2020, il y a un bruit là-dedans, j'ai fait les analyses, on dit qu'il n'y a rien. Mais tout à l'heure, quand je suis assis, quand je suis arrivée au début, ça faisait le bruit là. Quand on me parle là, je donne l'oreille droite. Mais tout à l'heure, j'ai commencé à entendre quand j'ai fermé l'oreille droite. C'est merveilleux. Waouh. Est-ce que vous avez compris? Donc, tu n'entends plus de bruit dedans? Non, j'entends plus de bruit. Et tu entends maintenant normalement? Oui, oui. Maman, ferme l'oreille qui entendait avant. Qui entendait, ouais. Vas-y. Maman. Oui. Ça va? Oui, ça va. Tu es guéri? Amen. Sans médicaments. Amen. Jésus t'a guéri. Amen. Tu as pris pour toi? Amen. Tu as pris pour toi, non? Oui, j'ai saisi. Tu as attrapé? J'ai attrapé. Donc si tu as attrapé, dis vous. C'est fini. On acclame très fort le Seigneur Jésus.